Salut mes loulous et mes louloutes, donc voici, j'ai dû refaire une narration pour cette préparation de pêche de nuit. Je suis désolé parce que le son a été mal enregistré au départ. Donc là je suis avec mon ami Gaëtan qui est en train de préparer ses lignes qu'il va placer à l'aide d'un bateau amorceur. Et je vais vous montrer un petit peu comment que ça se passe. Donc voici le bateau amorceur en question avec son joystick. Voilà, donc là, il va régler, faire les petits réglages de départ. Il va fermer une trappe. Et puis, il va y mettre de l'amorce qu'il a préparée au préalable. Voilà, donc, dans la première trappe, il met l'amorce. Voilà, ça c'est prêt. Maintenant, on va voir donc la partie principale, c'est-à-dire quand il va y mettre sa ligne que le bateau va déposer au loin. Donc, comme vous voyez, il y a quand même une sacrée superficie. C'est quand même un plan d'eau qui est très grand, je le répète ici, c'est un plan d'eau qui fait quand même 17 hectares. Donc 17 hectares, il y a quand même de quoi faire. Voilà. Maintenant, on va passer donc à l'essentiel, c'est-à-dire la mise en place de la ligne. Comme vous pouvez le constater, c'est quand même tout un art, hein. Il y a toute une préparation pour placer une seule ligne. Hein. Donc, voilà. Il met ça en place. Il va tout simplement recouvrir tout ça d'amorce aussi. Encore désolé pour le son, puisque sur cette partie de la vidéo, le son n'a pas fonctionné correctement. Et voilà, il met son amorce et le bateau est prêt à partir. Voilà, je vous laisse visionner ce petit bout où le bateau va partir et puis va aller mettre la ligne en place. Ce bateau s'en va, on emporte la ligne avec. Voilà, donc la suite de la petite vidéo dès qu'une prise sera faite. A plus tard mes loulous, ciao. Voilà mes loulous, donc là je vous montre un petit peu, la nuit commence à tomber, donc on est prêt pour notre pêche de nuit. La journée était pas fructueuse du tout, des petites touches, mais rien de vraiment spécial. Mais là, la nuit commence à tomber, et puis c'est très joli en plus. Voilà, donc nous on est prêts, on va attaquer ça, et j'espère que dans la nuit, on aura quelques surprises, et que je puisse filmer pour vous montrer un petit peu ce que ça a donné. Allez, la suite à plus tard. Bisous mes loulous. C'est sympa. Et voilà. Donc comme dit, ça a été le premier poisson de la soirée. Vu l'heure qu'il est, je ne sais pas quelle heure qu'il est. Il est quelle heure? 5h du matin. Il est presque 5h du matin. Donc, voilà, un petit silure. Sympa. Mais au moins, on n'est pas bredouille. Hein. Ouais, donc voilà, c'était sympa. Quoi. Donc, on va le remettre à l'eau. Hein. On va le remettre à l'eau. On va faire un barbecue. Ouais, éventuellement. Il y en a qui vont se le mettre dans le... pignon. Je ne dirais pas quoi. Donc voilà. Donc si éventuellement un autre poisson, eh ben, on fera un autre petit film. Voilà. Hein? Ben voilà, au moins, comme dit, c'est le début, quoi. Un paquet d'idées comme ça, mon ami. Allez, à plus tard. Ciao, ciao. Donc voilà. C'est... une touche en direct, hein?
Il va essayer de nous ramener ça. Donc, c'est pas trop, hein. En tout cas, c'est beaucoup plus lourd que... Ça a l'air un petit peu sympathique. Ouais. Donc, on va voir. On va essayer de voir ça. Hein. Oh, mais je t'avais dit que t'étais bien placé là-bas. Ah putain, ça fait du bien alors. C'est peut-être le moment que ça va peut-être taper maintenant. Voilà. Putain, mis longtemps après que j'ai entendu le déroulement. J'ai entendu qu'il s'est déroulé. Ouais, c'est pas une carte. T'as une carte? Ah non, j'ai pas de coup de queue. Hein. Ah. Ben, un coup de queue, ça c'est pas un problème, on peut t'arranger ça. S'il y a ça qu'il faut. Ah, c'est une demande en mariage, ça. Allez, on s'approche tout doucement. On va voir. Tu vas bien là? Ouais. Ouais, mais attends, de toute façon que ça arrive au devant et puis ça va bam, ça repart. Hein. C'est déjà arrivé. Hein. Là, si je t'éclaire, je peux pas t'éclairer là-bas, hein, parce que j'éclaire la caméra. Donc on est dans la merde. Il est où ce putain de fil à la con? Ah, ah, ça va venir, ça va venir. On veut pas rater l'arrivée du poisson quand même. Faut de la loi. Oui, si on arrive à le voir aussi. Ah, merde. Ouais, j'ai décalé mon plomb au plus, il est 10 cm plus haut. En espérant que c'est pas un bout de bois. C'est jamais, hein, des fois que... Wow. On a qu'à attraper des bouts de bois, ça c'est... Un bout de bois flottant. C'est... Voilà, c'est des choses qui arrivent. Ah oui, alors... Les petits poissons qui sautent. Ouais. En tout cas, c'est vrai de l'autre. Ouais, là-bas. Là, je sais pas. Ouais, ça y est. Ouais, c'est un petit silure. Donc il arrive, mais comme il fait nuit, je suis désolé. Ouais. Ah, il est déjà un peu plus gros, hein, Claude, hein. Ouais, beaucoup. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, un petit peu, hein, un petit peu. Regardez. Un petit peu. Non, mais ça, c'est un 15 tonnes, ça. Un petit peu. Vas-y, éclaire-le bien, au lieu de te fondre la gueule et banane, votre ouduc. Je peux pas tout faire, là, Dieu. Non, c'est une carte. Vas-y. C'est un silure. C'est un silure. Voilà, c'est l'ami silure. Carte. Quoi, carte. Carte. Vas-y, ramène déjà. Une carpe. C'est une carpe. Une toute écaille en plus. Ouais. C'est une carpe. Ouais, toute écaille. Ben... Eh ben mon Dieu. Et où? Ah oui, bon. Ah bah oui. Attends. Vas-y, vas-y, éclaire le poisson. Elle est dedans. Elle est dedans. Oh, 5 kilos. Ah, c'est là, oui. 5 kilos, moi je te le dis. Moi c'est une carte. J'ai un poisson. Et là, la belle. 5 kilos. Belle. Ah bah voilà. Attention le fil. Voilà, voilà. Bah on l'a attendu longtemps celle-là. Hein. Donc là, bah. Ça fait qu'elle t'a pas foutu. GG Gaëtan, GG Gaëtan. Ah oh. Et voilà, donc. Oh, ça fait qu'elle t'a pas foutu de gueule. C'était sympa quoi. Allez les loulous, en plus, ouais. Ciao ciao. Donc voilà, et ben. On s'apprêtait à finir cette fameuse nuit. Et un départ inespéré, bien sûr. Donc, on va attendre bien sagement pour savoir ce que c'est exactement. Ce sera le clou de cette pêche de nuit. Apparemment, c'est un. C'est une carpe. Ouais. Donc, on va voir, hein. On va essayer de filmer ça jusqu'au bout. Voilà. En plus, le soleil tape à fond. Ouais, donc la canne, voilà. Comme ça, on voit l'action de la canne. Franchement, ben bravo hein, pour la dernière, c'est bien. Attends, je l'ai pas encore. Ouais, 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 mais bon. En principe, elle devrait, hein, elle devrait. Ouais. Donc voilà. Donc je vais mettre en pause et puis reprendre quand la carpe elle sera un peu plus près du bord. Parce que là, il y a encore quand même plus d'une centaine de mètres à récupérer. Donc à tout de suite.
Voilà, donc j'ai repris parce que la carpe est en train d'arriver. Donc on va attendre qu'elle vienne bien. Voir les remous qu'elle fait. C'est à côté ou quoi? Je sais pas. C'est une belle. En tout cas, c'est une belle. Donc on va voir ça. Hein. Et c'est un silure. C'est un silure? T'es sûr? Je crois que c'est un silure. Ah. Ah ouais. Un beau. C'est un beau silure. Ah ouais, c'est, il est pas mal. C'est vrai qu'il est joli. Voilà.